Salut les amis, vous êtes sur le NYFAT Show. Aujourd'hui, on se retrouve sur Yooka-Laylee. Les premiers pas sur Yooka-Laylee. Que dire sur cette première impression? Pas conquis du tout. Même en PLS time. Non mais c'est quoi ce bordel? Comment tu peux me dire que pour un jeu d'aventure actuel, ok, tu veux mettre... Soit tu mets les personnages qui parlent, soit tu mets pas tes... Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ce bordel? Tu peux pas mettre les personnages qui parlent? Non, tu fais des petits bruits de merde. Mais c'est quoi ce bordel? Non, mais... Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Bon, les touches. Je suis déçu les amis, je suis vraiment déçu. Alors, il est pas fait où ce putain de lit. Il est parti par là. Et pour y aller, comment je dois faire? Ils étaient là. Bon, c'est difficile ça. Bon, pas grand chose à faire. Hein.
Bon, après, je peux plaire aux plus jeunes d'entre vous. Même vous, parents, vous avez des enfants. Vous pourrez toujours leur faire voir ce que... Vous qui êtes des parents, vous pouvez toujours prendre ce jeu pour essayer de voir si vos enfants pourront parler, si c'est dur par ce petit jeu de famille. Moi, sincèrement, ça ne me séduit pas, mais bon. Comme j'ai des nièces, elles pourront toujours y jouer. Lorsque je serai pas là. Ou occupé. Histoire de... Mais n'oubliez pas. C'est quoi ce truc? N'oubliez pas, parrain, ne laissez pas trop vos enfants devant ton écran. Mais quand je dis trop longtemps, car cela pourrait nuire à son mental. Pas son mental, genre, pour dire, mais ça peut réduire son imaginaire, ça peut le briser. Donc, faites attention à ne pas trop laisser votre enfant en dessous de 9 ans. Trop longtemps devant un écran. En plus, c'est bien de faire les jeux en famille, c'est super bien, c'est super intéressant. Donc essayez, c'est l'adopter. Bon, après vous n'avez pas forcément le temps, mais essayez de prendre le temps pour vos enfants. Ensuite, Yooka-Laylee, c'est pas folichon comme jeu, mais encore une fois, c'est mon avis de personne adulte. Donc voilà, c'est mon avis de personne adulte, c'est pas vrai, véritablement objectif par rapport au fait que c'est un jeu plutôt axé sur les enfants. Plutôt axé pour les enfants et pour les fans de jeux de plateforme.
Alors, ce jeu a été fait par les créateurs de Banjo-Kazooie, si je me rappelle bien. Mais, si Banjo-Kazooie était aussi pareil, c'est pas trop intéressant. Hein. Mais ça peut s'aller se séduire au bout d'un moment. Faut lui laisser sa chance à ce petit jeu des familles. Moi pour l'instant, je suis pas encore conquis en fait. Ce sont les rapidos de Noisette, hein. Voilà. Je me demande à quoi vont servir les petits papillons, les tout petits papillons. Par contre, il y a un sérieux problème de gestion de caméra pour ce petit jeu. Oui, il y a un sérieux problème de gestion de caméra. Alors. Oh, c'est décevant, vraiment décevant. Après, j'en aurais pas pu sauter jusque là. Si je trouve un moyen de monter. Franchement, je suis déçu, véritablement déçu, les mecs. Tu vas monter, petit monde. Non, c'est pas ça, hein. Bon, on va aller voir ce petit serpent là qui était à l'entrée par là. Ouais, je pense qu'il faudra voir ça un petit peu plus tard. Allez toi, même pas ce petit serpent là. Regardez-moi ces arnaqueurs là. En fait, ok, on peut pas passer par là. Donc dès qu'il y a une porte, monsieur ne s'est pas passé. Alors vraiment, je suis déçu. Alors. Vraiment... Chauve-souris et un petit lézard ami. Et la chauve-souris va sous l'eau. Franchement, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux quand on regarde bien. Ah.
alors les papillons, c'est pour la petite santé, la petite forme. Les protéines qu'il vous faut afin de pouvoir évoluer dans sa petite, dans ce petit dédale de famille. Un petit peu gênant, n'est-ce pas? N'est-il pas? Accepte. Sans blague. Apparemment, la lecture et la culture est axée sur ce jeu. C'est vraiment un jeu axé sur la culture. Donc, voilà. C'est un jeu qui accède beaucoup sur la lecture. Ce qui pourrait être un petit plus pour vos petits enfants qui débutent dans le fait de pouvoir lire des documents. Vous pouvez prendre ce jeu afin de donner une petite base de lecture et pouvoir inciter votre enfant à lire un petit peu plus pour pouvoir évoluer dans un univers qui pourrait lui plaire. Pour ma part, c'est pas un univers qui me séduit véritablement. Je ne sais pas quelles impressions vous aurez. Je vais comme tout de même pour vous faire des gameplays, des let's play sur ce jeu, histoire de voir si cela vous séduit véritablement. Mais mettez-vous votre commentaire afin de savoir si vous voulez que je poursuive l'aventure sur Yooka-Laylee, afin de que vous puissiez voir comment on évolue dans ce jeu, comment il est. Moi spécialement, je suivrai selon vos désirs. Du moins, vos désirs pour les masses. Ça peut être un jeu assez sympa pour l'ensemble. Vous verrez bien par vous-même. Moi spécialement, il ne m'attire pas plus que ça. Excusez-moi, le micro était assez loin. Donc, je viens de m'apercevoir. Si vous ne m'attendez pas dès le début, je vais recommencer le jeu. Bon, après, si je le dis maintenant, si je refais, ça sera pas factuel. Donc, c'est pas grave, je n'ai rien dit. Que dire pour ce jeu? Mon avis, ça peut être un bon jeu, mais pour l'instant, je n'accroche pas encore, véritablement, parce que ce n'est que le début du jeu, en fait. Donc, je n'accroche pas encore, véritablement, mais il peut être intéressant, hein, dans son ensemble. Les fans de jeux de plateforme vont beaucoup apprécier, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr que les fans de jeux de plateforme vont beaucoup apprécier ce petit jeu. Moi, pour ma part, je n'ai rien à dire à ce sujet. Bien évidemment, il est quand même bien réalisé pour un petit jeu. Il est quand même bien réalisé, beaucoup de couleurs, donc on sent que c'est un jeu spécialement axé pour les enfants.
Est-ce que ça va aller loin? Je ne sais pas. Si vous voulez que je fasse d'autres gameplays, n'oubliez pas, lâchez des commentaires, ça fait toujours plaisir et ça me permettra de savoir votre point de vue, ce que vous voulez voir ou pas. Je vous présenterai d'autres jeux car j'ai énormément de jeux. J'ai énormément de jeux donc je vous présenterai beaucoup d'autres. Et ce sera tout. N'oubliez pas de checker les commentaires, de vous abonner à mon profil Twitter. Et bientôt j'ouvrirai une page Facebook, pardon, afin de d'être au mieux en contact avec vous sur à peu près toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas à suivre tout cela. Et je mettrai en avant des actualités sur tout ce qui concerne le monde du jeu vidéo. Et par la suite, il y aura d'autres actualités, d'autres événements. Nous verrons bien en temps et en heure. Mais pour l'instant, ça sera surtout axé sur les jeux vidéo et les nouvelles technologies. Nous verrons par la suite ce que cela donnera. N'oubliez pas de checker les descriptions, c'est très important parce qu'il y aura les liens des différents membres de mon crew, le lien de la page Twitter, ainsi que différentes annonces par la suite. Donc, chaque vidéo, checkez quand même les descriptions, on ne sait jamais. Par la suite, aussi, n'oubliez pas pour les nouveaux qui regardent mes vidéos, les nouveaux qui arrivent sur la chaîne là, ne faites pas vous timide, on est là, c'est une grande famille. C'est une famille. Je rêve comme Edouard Nugget, c'est d'avoir une belle et grande famille. Donc, lorsque vous passez sur la chaîne, regardez juste au-dessous du titre, c'est marqué s'abonner, c'est un rectangle rouge. Il est tellement visible, mais tellement visible qu'il pourrait servir de phare pour les bateaux la nuit, pour servir de repère sur les pistes d'atterrissage. Il pourrait servir de feu rouge dans un croisement. Alors abonnez-vous, abonnez-vous. Et à côté, juste à côté, va apparaître une petite cloche de notification. Cliquez dessus, c'est très important afin d'être averti des différentes sorties qu'il y aura pour vous, juste pour vous, sur cette chaîne, cette petite chaîne qui sera chère à votre cœur, qui, je l'espère, vous fera énormément plaisir. Lâchez les commentaires, lâchez des commentaires qui me feront surtout plaisir. Des commentaires qui soient positifs ou négatifs, cela me permettra d'évoluer par la suite, de continuer, de me motiver pour vous donner de meilleurs contenus pour vous divertir, pour vous faire plaisir, les amis. Alors n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas, partagez, likez pour que d'autres personnes puissent être au courant de cette chaîne, pour qu'ils puissent en être informés, pour qu'on puisse avoir de nouveaux abonnés ensemble et voler, parce que n'oubliez pas qu'à partir de 500 abonnés, je commence à vous faire gagner des lots, de petits cadeaux. Donc, abonnez-vous, partagez, likez un maximum afin de pouvoir avoir le contenu plus souvent et avoir des lots plus rapidement. Donc, s'il vous plaît, partagez. Je vous remercie. Vous étiez sur NYSatcho qui vous a présenté les premiers pas sur Yooka-Laylee PS4. Je ne sais pas si ce jeu est sorti sur d'autres plateformes. Je prendrai en information. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était mes premiers pas sur Yooka-Laylee. Et c'était NYSatcho pour vous servir. Je vous remercie de votre attention. Ciao!